Bonjour, ici Brother Fishing. Donc on est revenu à Troyes pour pêcher au cou au lac du Moulin. Donc Maxence, explique-moi ta pêche, ta ligne, à quelle distance que tu pêches. Donc alors, moi je pêche au cou avec une canne. Aujourd'hui je pêche avec une longueur de canne d'environ 7... 6 mètres. Ouais, 6-7 mètres. Ouais. Avec un flotteur de 0,80 grammes, un hameçon de 16. D'abord, on l'a expliqué dans la vidéo, de toute façon. Du booster 4x4 avec une accumulation et voilà. Bon. Valentin, tu as expliqué ta pêche? Ah, t'as pas fini? Ces deux cannes là, c'est des montages de 60 grammes avec des petites bouillettes à la fraise chez Cap d'Arlan. Voilà, donc j'espère avoir des départs avec ça. Donc voilà. Donc Valentin, explique-moi. Oh, poisson direct. Tiens, Valentin. Attends, je vais expliquer ta pêche. Donc moi je pêche à 6 mètres avec un bouchon de 40 grammes plombé à 20 grammes avec un hameçon de 20 et deux asticots au bout. Donc le Romain vient de sortir un poisson. Donc moi j'ai pas encore sorti de poisson. Je pêche à 6 mètres. Donc j'ai amorcé avec de la 4x4 avec des pelés 2 mm fiche. Et de la remix gros gardon en boost. Donc pour l'instant ça fait pas trop d'effet. J'ai eu une touche mais j'ai décroché. Donc Romain, t'expliques ta pêche. Il va remettre ça à Canalo et il va vous expliquer sa pêche. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ouais, abonnez-vous à la chaîne et aimez la page Facebook. Aimez la page Facebook Team Brother Fishing. Ça fait plaisir. Voilà. Je remets la canne à l'eau, je ne touche pas pêche. Maxence, t'en as loupé? Non. Donc Romain va vous expliquer son mode de pêche. Voilà, à peu près à 7 mètres. Donc ma ligne c'est avec un bouchon fin fishing AS02, donc avec un hameçon de 20. Donc voilà, en amorce je pêche avec la 106 concours gardon. Donc dedans j'ai rajouté du boost Caperlan vanilla et j'ai rajouté des pelés fiche 2 mm. Donc j'ai mis aussi une canne à carpe moi là-bas. Donc je vais vous expliquer. Donc sur cette canne j'ai mis une bouillette à la sardine et j'ai amorcé la sardine. Continuer à sortir des poissons. Mon amorce, donc de la 3000 concours gardon, donc je vais la tester aujourd'hui. Là j'ai rajouté de la vanilla. Dans la tête par contre. Voilà, maintenant je vais la mouiller. Je mets pas de pelé. Je vais la mouiller. Je vais la remouiller encore.
mon amour, ce que je pêche avec. Donc dedans, je vais rajouter un peu de pelé, 2 mm fish. Pas trop les gaver. Donc voilà, donc je vais laisser mon amorce reposer avant d'amorcer. Donc voilà, donc voilà, Valentin va présenter son amorce. Valentin, donc, je mets de l'eau avec de la remix gros gardon. J'en mets un petit peu, c'est bon. Mélange. Ça nous a permis, ce bouche là, ça nous a permis de ramener des gros gardons sur notre cou. Donc dedans, je vais mettre de la booster 4x4 de chez Coberlin. Après je mets des pelettes pelées ouais. 2 mm fiche et tout ce qui est brève carassin. Voilà, Maxence va vous présenter son amorce. Par ton amorce que tu pêches avec. Alors Maxence, c'est quoi ton amorce? Donc moi c'est de la 4x4 booster avec quelques asticoteurs. Quelques asticoteurs. Voilà. Voilà. Donc pour l'instant on débute bien la pêche. J'ai 3 gardons. Sur avec de l'amorce sans sas, on coupe gardon. Donc voilà, on fera des vidéos de pêche encore pour expliquer les poissons et tout. Là on va remonter les deux pêches. Donc fin de pêche, pas trop décevant. Une nouvelle vidéo, vous pouvez relâcher. Thank you.
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80. 80 poissons, record. Donc record en nombre. En nombre, pas sûr, mais pas en poids. Parce que là, tu en avais fait 71 pour 9 kg, là c'est 80 pour 6 kg 500. Donc,